Et bonjour tout le monde, ici Armantio sur Payday 2 et avec le nouveau micro. Ouais, bon, je sais pas que vous, si vous entendez la différence, peut-être pas, peut-être au moins niveau volume, genre j'ai peut-être une voix qui, genre j'ai plus de volume, voilà. Donc j'espère que c'est le cas. On est sur une mission Vandal et je ne sais plus du tout ce que c'est. Je crois qu'on a tout pété dans un magasin. Du coup, si c'est ça, on va prendre un truc qui a pas mal de munitions. Attendez, on va regarder. Est-ce qu'on peut charger munitions totales? Il y en a 48, là il y en a 180. Mais c'est un pompe, donc c'est pas mal. Mais on va faire ça, on va prendre ça et en secondaire, on va partir sur ça. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Parce que le problème, ça, c'est qu'il n'y a pas assez de balles. Config d'équipe, qu'est-ce qu'ils ont eux? Ouais. Ouais, faut que je garde mes munitions, ça c'est sûr. Ok, ben je suis prêt les enfants, on peut y aller. C'est quand vous voulez. Donc, j'espère que vous allez bien, écoutez. Moi je suis content de vous faire une petite vidéo, surtout sur Payday, sur lequel j'en ai pas fait depuis une éternité, sur lequel j'ai pas joué depuis une éternité. Donc je pense que je vais être totalement rouillé. Alors va falloir faire de notre mieux, entrer dans le centre. Je pense qu'on va y aller comme des gros bourrins. Comment je mets mon masque ? Comme ça. Ok, très bien. Pour l'instant, ils font pas trop gaffe. Ok, c'est bon. Ils sont équipés, eux. Viens par là, toi. Putain, on est baisé, il y a l'autre en haut qui a tout niqué. Attends, tu vas t'asseoir ici. Ok, il va falloir foncer là. Down. Bon voilà, bravo, bien joué. Putain. Baisse de guignol. Bon. Pas grave, vous allez attacher les mains, vous. J'espère que mes alliés vont se rendre utiles. Ça va être pas mal. Allez, let's go. Faire des dégâts. Ah bah avec joie. Est-ce que je peux le drill? Non, merde. Eh ben, ça va commencer à être la fête, là, je pense. Va falloir bouger assez rapidement. Putain, mais mettez-les par terre et attachez leurs mains. Putain, ils comprennent rien, quoi. Faut des liens, ah d'accord. De l'essence. Allez. Faut qu'on trouve. Qu'on trouve des sous. Péter des bouteilles. Parce qu'on est des fous, non? Ah voilà. Là il y a des sous. Putain, j'arrive pas à passer. Chier. Allez, hop, merde, je freeze. Complètement freeze, hop, voilà, allez, on pille tout, on pille. Hop, allez, vite. Pour l'instant, on n'est pas trop emmerdé par les flics, du moins pas nous en haut. En haut, on est tranquille, ça je prends. Prends le toi aussi, mon gars. Voilà. Hop, ça on va le laisser ici. Nous on va surveiller la drill du haut. Putain, mais on se fait défoncer là. Ça va pas ça. Allez, recharge. On va passer sur l'arme principale. Bon, toi t'es mort, très bien. Aïe, qu'est-ce qu'il tire? Oh, les snipes. Il est où? Merde, putain, mais c'est quoi ces là? Ah, il est là. Ok, c'est bon. Donc
on les défonce. Ça, on va le péter en deux. Voilà. En général, il y a un coffre ici. Non, il n'y a rien là. Dommage. On va le casser. Je sais pas si ça sert dans la mission. Mais moi, j'aime bien péter la Lambo. Voilà. C'est pas mal. Bon, écoutez, c'est une mission qui se passe lentement, mais sûrement. Ça devrait être un succès. Par si je nique la game. Il y a quoi de bien là? Il y a rien. Allez, poussez-vous. Bande de sous-merde. Qu'est-ce qui est tiré comme ça? Ah, c'est encore un snipe. Voilà. Alors le snipe. Bon. En bas, ça se passe comment? Ça a l'air d'être un peu plus la merde en bas qu'en haut. Étant donné que ça tire à mort et que nous en haut on a rien. On a combien là sur la drill? 3, ah très bien. Oh oui, on a masse gold. Allez hop, ça, ça, sur mon dos. Alors. Bon, là, merde, là pendant qu'on va se faire tirer dessus, c'est pas bon ça. Je me suis tiré dessus, mais je sais pas d'où en fait. Space. Ah bah y avait un mec ici. Merde, j'en ai raté un. Oh putain, le ninja! Mec, il court sur les murs. Oh, merde, j'ai entendu un taser. C'est pas bon, ça. Les gars, faut protéger le butin, là. Pas qu'il touche au magot. Ok, on va récupérer un peu de munitions. Parce que là, j'ai plus rien. Voilà, prendre ça. Hop, voilà. On recharge. On recharge le deuxième. Et on embarque les sous. Et ça va être la victoire. Easy win, easy shit. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mec, mais y'a plus rien. Gros débile, va. Je fais les stats de kill, là. Allez, let's go, on se barre. Et c'est la victoire, c'était bien propre. C'était propre, tout ça. Une victoire efficace, nette et précise, on va dire. Alors, est-ce qu'on a gagné des sous? Ouais, pas grand-chose, en fait. À peu près rien gagné. Progression, est-ce qu'on a gagné un peu? Risque, ouais, petite prime de risque. Bonus de tous en vie. Bonus compétences. Ouais. D'accord. Stats d'équipe. Alors, plus haut nombre de victimes. Ah, ben voilà, au moins j'ai eu ça. Alors, et merde. J'aimerais bien avoir des accessoires d'armes, là, un peu. Ça serait pas mal. C'est quoi ça? Motif, mat. Je m'en fous de ça. Un silencieux ou autre, ça aurait été bien. Alors, eh ben, well played, guys. Bien joué, tout ça. Alors, est-ce que je peux lui rajouter un truc à cette arme-là? En stock 1. Ah, ben, très bien. Je vais lui mettre un petit red dot. Ou 307 000. Ah ben j'ai le budget en plus, très bien. Clac. Allez hop, un red dot. Voilà, et j'ai un autre viseur. Genre toi, t'as quoi dessus? Tu l'as pas? Oh, trop la merde. Putain. Bon.
Allez, relance. Ah, bah très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous a choisi? Voilà, alors qu'est-ce qu'il nous a choisi? Il nous a chien de garde. Ah, c'est sur 2 jours, ça va être un petit peu plus long. Donc chien de garde. Ah ouais, là c'est la merde cette mission. Là c'est la merde. On va reprendre cette arme, elle est vraiment bien. Et en secondaire. Laquelle a le plus de balles entre les deux? C'est pareil. Elle fait plus de dommages. Ah, c'est celle-là. Mais j'aime trop l'autre, bon, c'est pas grave. Allez, on va partir avec ça. Voilà, c'est bon, il a repris des... Ouais, c'est bon. Là, je veux bien. Il avait pris, en fait, un truc, genre, pour brouiller des détecteurs ou comme ça, sur une mission où il faut y aller comme des bourrins. Il l'a changé par des munitions, ce qui est un très bon choix. Et ce que j'allais lui dire de faire, justement. Donc, c'est très bien. Alors, prendre un sac. Bon, tout le monde a un sac? Ouais, je crois. Ça devrait aller. Ok, donc là, quand la porte va s'ouvrir, ça va être l'apocalypse dehors. Sortir le magnum et se préparer à y aller. Normalement, il devrait tirer un peu sur la porte avant qu'on puisse y aller. Voilà, ça commence à tirer. Du coup, là, on va se préparer. Voilà, c'est parti là. Ok, là, on est bon. Go, 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 move, move, move. Putain, le mec il a des bras solides. J'essaie de les couvrir. Allez, envoie-moi un sac. Ok, il a pas envie. On a tout. Très bien, on a déjà tout remonté. Ah, il y a juste un sac là que je vais récupérer. Ah bah c'est bon, il a déjà fait. Putain, j'ai des alliés efficaces là. Hop, on va recharger le petit magnum. Voilà. Allez. Et là, on est parti pour de la défense. Faut que je fasse gaffe, c'est une mission qui est assez dure en général. Du coup, je vais faire gaffe. Je vais faire gaffe à pas faire de conneries et pas prendre trop de dégâts trop tôt. Hop. Ah, ça fait plaisir de revenir sur ce jeu, putain. C'est vraiment un jeu qui m'avait énormément plu à sa sortie, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et là, j'avais vraiment délaissé pendant plusieurs mois. Et là, de m'y remettre, ça fait plaisir. Là, il est un petit peu amélioré, d'ailleurs, il y a eu énormément de mises à jour. Il y a eu des petits DLC aussi qui étaient pas géniaux. Que je n'ai pas pris parce que... Vraiment que c'était donnez-nous des sous, on vous rajoute pas grand chose. C'était peut-être une impression, ouais. Mais dans l'ensemble, ils ont rien rajouté de vraiment exceptionnel dans les DLC. Voilà, il y avait quelques armes, quelques missions. Bon, c'est cool, mais voilà, quoi, il y a mieux. Allez, crève, 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 crève. Putain, je gâche trop de balles par mec. Je fasse gaffe avec ça. Voilà, si je pouvais viser un peu plus les têtes, ce serait pas plus mal. Aïe. Plus de balles. Vite. Putain, pourquoi c'est flou? Ouais, là, pardon. C'est en train de passer au travers de mon bouclier. Hop. Enfin, de mon bouclier, de mon pare-balles. Oh là là, je vise trop. Ah merde, y avait. D'accord. Donc hop, on va se préparer là. Il va vraiment falloir tirer, je pense. Alors un petit peu allumé. Qu'est-ce que je fais? Il y en a un qui s'est fait taser là. Ce serait bien qu'on ait le camion qui vient nous chercher assez près. Déplacer la coque. Ah merci, mais où?
Ok. Ok. Wow, y a du monde là. Très bien, je les troll un peu. Oh, excellent! Excellent, on a tout. Mais cachou, 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 les enfants! Vous venez d'apprendre à dire attention en basque, accessoirement. Allez, hop. Est-ce qu'on a quelqu'un en bas? Oui, on a toujours du monde. Je crois qu'il y a un mec qui nous parle dans le chat vocal du jeu. Ok, recharge. On va se servir dans les munitions qu'il nous a offert. Oh, il y en a un qui est par terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont pas méchants pourtant. Ils sont pas méchants. Honnêtement, ça va, je m'attendais à ce qu'il soit plus féroce. Là, ça va, on s'en sort. Ouais, ouais, il y a un mec qui nous parle dans le chat vocal. Il nous dit de foncer comme des retards. Putain! On a pas de chance, ils viennent de le buter. C'est à chaque fois pareil, on n'arrive jamais à passer à temps. Tiens, faut qu'on aille se mettre à l'abri par contre. On est beaucoup trop exposé. On va se planquer à l'étage. Je sais plus où j'ai mon bouton de chaque vote vocal. Attendez, je vais voir. Son, est-ce que je peux booster sa voix? Volume du chat vocal. Voilà. Peut-être qu'on l'entendra mieux, le mec. Ouah! Oh, qu'est-ce que j'ai pris? Oh, j'ai pris tellement de dégâts. Oh, y'a un bulldozer. Où ça? Wouah. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'arrive pas à leur montrer. Oh merde, oh merde. Qu'est-ce que j'ai changé le mode de tir de mon arme? Comment j'ai fait? Oh non. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent? On a niqué la mission, les gars. On a niqué la mission. Normalement, il nous en reste un qui est en vie. Putain, je sais pas s'il va survivre. Il a plus de vie, il a juste son bouclier. Oh, ce masque! Oh, c'est OP! On va y arriver? Oh là là! On a eu chaud. Oh, on a eu chaud, putain! Nombre de victimes, 31. Four Piece, il en a fait 41. Bon. Bon, bon, bon. Ça aurait pu être pire, les enfants. On s'en sort pas si mal. Maintenant, va juste falloir finir. Il nous raconte sa vie, celui-là. Il nous raconte sa vie. Bon. Allez, faut voir la deuxième partie. Je me souviens plus exactement ce qu'on doit faire. Ah oui, je crois qu'on doit amener la coque dans un train. Ah non, au port. Voilà, au port. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre, là? J'ai
J'hésite. Prendre ça. Secondaire, je prends ça. Voilà, ok, c'est bon. Bon, vous savez quoi? On va le mute. Rendre un joueur muet. Fait trop de bruit. Voilà. Voilà. Hop, son. Tour mettre au max. Ok. Allez, let's go. Je sais pas si c'est un très bon choix que j'ai fait là sur les armes. On verra bien. Je suis pas certain que ce soit génial comme idée. Putain, il y en a trop. Faire la navette ici. Hop, est-ce qu'ils ont tout de l'autre côté? Ils ont tout fait passer. Ouais, ils ont tout fait passer, il me semble. Ok, venez par là. Je vais aller allumer le machin. Voilà, on va tout laisser ici. Merci mon gars. Ils veulent tout balancer en haut? Ouais. Qu'ils veulent. Merde, raté. Putain, j'ai pas de force. Bon, c'est avec quoi? Je vais monter. Je vais directement aller en haut. Et on va tout déposer à la main. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Maintenant, on se défend. Oh putain, j'ai raté. Oh là là. J'ai raté 4 balles. En sachant que j'en ai vraiment très peu. 4 balles, ça représente quand même pas mal de trucs. 4 balles, c'est assez important. Oh mais please! Voilà, c'est mieux. Parce qu'en fait, normalement, j'ai un viseur sur cette arme qui a disparu, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai plus de viseur, alors que j'en avais un. Bon, bon, il va falloir que je le remette. C'est peut-être genre suite à une mise à jour qu'ils ont remis les... Ils ont viré des accessoires ou modifié, je ne sais pas. Je vais camper ici, je pense. Ça va là, c'est très calme. Même de ce côté, voir de l'autre côté. Allez, notre petit camarade. Bon, j'ai un espèce de snipe, ça c'est pas mal. Mais bon, vu que j'ai pas de viseur, un peu la merde. Oh merde. On va se mettre à couvert. Oh là là, c'était un choix pourri comme arme. J'ai déjà plus de balles. Déjà plus de balles et la partie fait que démarrer. Voilà, j'ai plus de balles du tout. Allez hop, on va déposer ça là. Vite, 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 vite. Je suis bête, j'aurais peut-être dû prendre juste des munitions après avoir dépensé mes munitions d'armes secondaires. Bon, je m'en suis pas du tout servi. Alors que j'ai une arme secondaire assez potable. Voilà. Hop. Est-ce que je garde ce côté? Ouais, allez. Quelqu'un derrière là. Ah voilà. Hop. Voilà. Wow. Oh, la branlée qu'il lui a mis. Ce côté, c'est calme. Putain, il les défonce, c'est fou ça. Le mec qui tire des fois, genre, je vois les ennemis tomber alors je sais même pas d'où le mec a tiré. C'est impressionnant. J'ai des gros nerveux, hein, moi. Ils arrivent par là-bas.
Ok, un taser qui arrive. Ah voilà, il y a bien un taser. Il est là. Faites gaffe les gars, faites gaffe. Un taser derrière nous. Apparemment, on va leur donner un petit coup de main. Oh, quoique non, je vais pas leur donner de petits coups de main. Je vous explique, le problème c'est que là, le bateau peut contenir une certaine quantité de sacs. Seulement, si vous en lancez trop, enfin, après il se barre, mais il se barre dès qu'il a eu le dernier sac. Et du coup, très souvent, genre, on lance deux sacs en même temps, et il y en a un qui tombe à l'eau, parce qu'on lance deux en même temps, quoi. Et du coup, si on s'y met à trop pour les lancer, très souvent, on a ce problème de balancer des sacs dans la flotte. Et du coup, on perd taquet d'argent à cause de ces conneries. Donc là, voilà, là, on va éviter de faire cette bêtise. Donc, je préfère ne pas les aider et qu'on soit moins nombreux à lancer les sacs. Mais que tous les sacs... Waouh, il y a du monde là. Mais que tous les sacs arrivent au bon endroit. Allez, crève. Voilà. Il y a couvert. Plus de balles du tout. Zéro. On va recharger ça. Hop. Recharge. Vite. Vite. Ah, ce sera une vidéo un petit peu plus longue que ce que je fais d'habitude. Pas plus mal. Oula. Oh là là, je sais pas viser. Cache trop de balles. Je fasse gaffe avec ça. Je viens à peine de recharger et j'attaque mes derniers chargeurs. Afin de prendre des munitions. Oh non, on s'échappe pas, non, on n'a pas donné toute la coque encore. Lui, je l'aurai pas. Oh, le headshot. Voilà. Ok, c'est bon, on les a eu. Ouais, on les a eu. C'est bon. On peut calmer un peu. Et reprendre encore des munitions. Putain, décidément. J'arrête pas de prendre des munitions. Oh, j'en ai plus du tout. Pas possible. Ah putain, j'ai vidé mon sac. Putain, vite, faut que j'aille en chercher en bas. J'aurais vraiment pas dû prendre cette arme. Putain, c'était débile. Allez, vite. Ah, je crois qu'il y en a un qui a encore des munitions, au pire. Voilà. Ok, c'est mieux. Oh, il y a un taser. Oh, il est où? Putain, il est où? Plus ça me fait gâcher mes munitions, cette merde. Mais qu'est-ce qui se... Détention! What the fuck? Help! Taille. Bon. Putain de taser! Putain, vous foutez de moi! Wouah! Putain, comme il s'est fait charger là! Allez, vite! Putain, là, il charge! Oh, ils sont énervés là! En même temps, quand je vois l'armée qu'on a tuée. Peut se comprendre qu'ils sont un peu énervés. Ok, on s'échappe. Et voilà, on y est. Là, les gens, c'est réglé. Il y aura passé une petite demi-heure sur cette vidéo, mais au moins c'est réglé. Double victoire. Avec tous les sacs, c'est quand même pas mal. On peut être fier, on a eu de bons alliés en plus. Et un peu de chance sur la première mission, on s'en est sorti un poil de fesses.
Bon, est-ce qu'on va gagner un peu d'XP là? Ouais, ça, je pense qu'on va en gagner plus que la mission précédente. Ouais, largement plus même. Voilà. Allez. Ça, c'est fait. Bientôt niveau 48. Plus de précision, plus de kills. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, mon gars. Un peu content là. Et putain, toujours pas d'accessoires d'armes, mais c'est pas vrai. J'ai pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. Bon, écoutez. Je pense qu'on a assez pour acheter le. Attends, on va quitter déjà. Putain, mais date masque. Il est épique. On doit avoir assez pour acheter le viseur de cette arme. Viseur. Hop, investir. Oui, voilà. Ah, et ben quand même. Ah, je peux changer de crosse. Ok, bah je le ferai, mais il va me falloir plus de sous. Donc ça, au moins, c'est acheté. Ici, il y a quoi à changer? Je crois qu'il y a ce canon court que je préfère pas mettre. Non, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde. Bon, écoutez les gens. Sur ce, on va mettre fin à cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Ici, est-ce qu'on a quelque chose à acheter? Non, je pense que mon AK est déjà bien. Putain, il y a tellement de viseurs possibles. Ah, il est DLC et tout. Donc bon, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos, je pense, la semaine prochaine. Allez, bye les gens et encore merci.